Animateur reconnu de l'écosystème numérique, il conduit des actions qui favorisent, encouragent, soutiennent la transformation numérique de tous les acteurs du monde économique. En 2018, Syntec Numérique comptait plus de 2000 adhérents. Tous ses membres représentent 80% du chiffre d'affaires du secteur et 474 000 emplois. Présidé par Godefroy de Benchmark depuis 2016, Syntec Numérique est composé de collèges, comités, commissions, placés sous l'autorité du conseil d'administration. Les 7 commissions construisent les propositions de Syntec Numérique dans les domaines juridiques, social, fiscal, finance, emploi et formation, attractivité et relations institutionnelles. Ouais. Chez Syntec Numérique, non, ça va pas. Chez Syntec Numérique, nous avons la chance de bénéficier d'une grande fidélité de nos adhérents. Plus de la moitié d'entre eux contribuent activement et bénévolement à toutes nos réunions, preuve de leur engagement et de leur soutien. Les acteurs historiques, eh bien, ils côtoient désormais les acteurs du web, les acteurs de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité ou bien de la blockchain. Chaque année, Syntec Numérique lance des programmes transverses sur des thèmes qui représentent des enjeux forts pour le développement du numérique. Femmes du numérique, 5000 startups, le programme numérique et éthique ou encore celui qui concerne l'handicap. 4 grands chantiers en 2018, un grand chantier sur la data, la gestion des données, un deuxième grand chantier autour de la formation professionnelle, un troisième grand chantier autour de la modernisation du dialogue social et puis enfin faire que Syntec Numérique soit complètement ancré dans l'écosystème du numérique. Une vraie accélération en 2018, notamment avec le lancement du nouveau RGPD le 25 mai 2018. Il y a une prise de conscience des citoyens, il y a une prise de conscience des entreprises et une prise de conscience des pouvoirs publics sur l'importance des données, sur bien sûr la dimension sécurité. C'est quoi la question? Qu'est-ce que le grand débat de la donnée? Voilà. Syntec Numérique a lancé le grand débat de la donnée en réunissant à la fois les acteurs publics et les acteurs privés de manière à pouvoir réfléchir autour de 3 grands thèmes, puisqu'il y a eu 3 grandes séances importantes. Données personnelles, comment les protéger et continuer à innover. Données publiques, quel nouveau modèle pour quel service. Économie de la donnée, quel modèle économique dans le monde de la donnée. Notre organisation professionnelle a œuvré tout au long de 2018 sur des sujets aussi variés que les nouvelles mobilités professionnelles, la transformation du compte personnel de formation, l'accompagnement des parcours ou bien les offres de formation. Syntec Numérique a également contribué activement au débat public qui a conduit le gouvernement à proposer la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel le 1er août 2018. Je sais pas pourquoi je veux dire son avenir numérique. C'était pas mal aussi. Syntec Numérique s'est investi aux côtés de Muriel Pénicaud et de Mounir Majoubi pour le plan 10 000 formations au métier du numérique. Ce plan donne l'opportunité à des jeunes et à des demandeurs d'emploi peu qualifiés de se former au métier du numérique. Syntec Numérique s'est mobilisé auprès d'autres organisations pour lancer la fondation FAMAT Numérique, désormais soutenue par le gouvernement, par 42 entreprises et 50 associations. L'organisation professionnelle a poursuivi son partenariat avec Social Builder pour toucher un maximum de jeunes filles avec des after-work thématiques à Paris et en région. Notre syndicat joue un rôle majeur dans le dialogue social en s'appuyant sur la fédération Syntec et le MEDEF. La conviction du Syntec Numérique, c'est que chaque entreprise, en fonction de sa taille, doit disposer d'un corpus de règles adaptées à son activité. C'est pourquoi, avec la fédération Syntec, nous avons continué à travailler à l'adaptation d'un cadre conventionnel plus sécurisé, plus agile, plus moderne. Ce cadre doit bien entendu correspondre aussi à la taille des entreprises, à leurs différents métiers et puis à la transformation permanente que nous subissons aujourd'hui. Syntec Numérique a été à l'initiative de 144 événements et 28 conférences web. Fort du succès rencontré par le Syntec Numérique Tour, l'organisation a décidé de recommencer l'opération en 2018. Le top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels s'est tenu en octobre. Depuis 2018, les entreprises de services du numérique ont elles aussi
leur événement de référence. Baptisé le rendez-vous des ESN, cette première édition s'est tenue en juillet. Syntec Numérique et KPMG ont présenté les résultats de Grand Angle ESN, premier panorama sur la vitalité et les perspectives des ESN en France. Toujours mobilisé pour faire face à la pénurie de talents, Syntec Numérique a organisé la troisième édition de TechClic, le grand rendez-vous des métiers du numérique. Près de 145 000 personnes ont consulté le site internet de Syntec Numérique. Notre compte Twitter compte plus de 20 000 followers et au cours de l'année, nous avons eu plus de 2 000 retombées presse. Vous le voyez, nous n'avons pas ménagé nos efforts pour créer les conditions de passage à l'échelle de la transformation numérique. Nous avons dépassé nos objectifs. Nous avons d'abord fait la promotion de la transformation numérique. Nous avons développé l'attractivité de notre secteur. Et puis enfin, nous avons été un acteur clé pour pouvoir fédérer l'écosystème du numérique. 2019, c'est une année importante. C'était d'abord les 50 ans de Syntec Numérique. Et nous allons maintenant nous projeter vers le futur pour 50 belles années. Full numérique, full digital, avec le Syntec Numérique qui va rayonner au milieu. Ben c'est fini, ça. Yes.